Qu'est-ce que cela veut dire? Es-tu sérieux? C'est incroyable. Non, mais s'il te plaît, ne dis plus ça. D'accord, je te rappellerai. Selon les informations que je reçois, la princesse peut ne pas être trop loin de la vérité. Bien que je n'ai pas encore la preuve concrète contre Chief Omenka qui complètement le coincerait. Mais on ne peut pas laisser cette atrocité continuer dans ce pays. Plus important, je ne peux pas permettre à ma fille d'aller se marier dans la famille d'une si mauvaise réputation. Jamais. Monseigneur, es-tu sûr que Chimewe n'influence pas ton jugement? Les chiffres dont nous parlons ici ne ressemblent pas à quelqu'un qui peut causer ce genre d'actes abominables. Non, même pas avec ses connaissances. Même pas pour le nom qu'il cherche toujours à conserver. Votre Majesté, réfléchissons avec conscience avant de faire les choses. Bien sûr, je fais attention. Je ne peux pas convoquer cet homme si je n'ai pas assez de preuves déjà. Crois-moi. Selon les informations, l'homme-là n'est pas exactement tel qu'il se présente lui-même. Crois-moi. Mère. Mère, qu'est-ce qu'il y a encore? Mère? On est arrivé jusqu'à ce point à cause de Chimewe. Il continue toujours à prendre sa part. Cette fille exagère. Et c'est lui qui l'a gâtée. Mère, que se passe-t-il encore? N'est-ce pas ton père? Il est en train d'investiguer sur le Chief Omekanya, juste au point de bloquer ton argent à cause de ta sœur gâtée. Maman, ne te stresse pas. Très bientôt, il va comprendre que sa préférée de fille Chimere est en train de dévoyer. En dépit de respect que tous les gens de ce village lui donnent, vu sa nature philanthropique et de sa bienveillance, Chief ne peut pas faire ce genre d'abomination. Ce n'est pas possible. J'ai comme l'impression qu'ils ont gâché la relation que nous avons avec cette famille. Je ne les laisserai pas faire. Je dois faire quelque chose à propos. Je ne laisserai pas Chimere abuser des bonnes relations que nous avons avec les Chiefs. Ouais, écoute-moi. Garde tout secret jusqu'à ce que je te revienne. Princesse Odona. Pas maintenant, ok? Je ne suis pas d'humeur pour accueillir cette attitude que tu es en train d'afficher. Comme d'habitude, Dad. Tu n'entends plus personne excepté ta préférée de princesse Chimere. Si c'était Chimere qui était venue devant toi avec cette attitude, tu allais tout abandonner pour savoir ce qui ne va pas avec elle. Pourquoi dis-tu une chose pareille? Tu sais que ce n'est pas vrai. Je vous aime toutes sur le même pied d'égalité. Non, je ne pense pas. Non, papa. Si c'était le cas, pourquoi tu laisses Chimere abîmer la bonne relation que nous avons avec les Chiefs Omeka Funanya et tu ne dis absolument rien? Princesse Odona, il y a quelque chose que je veux que tu saches. Crois-moi quand je dis que je vous aime toutes sur le même pied d'égalité. Et je ferais exactement la même chose que je fais pour Chimere, si c'était toi. Ta sœur est en train de lutter pour quelque chose qui est juste. Le moindre que nous pouvons lui faire maintenant est d'être de son côté, la soutenir avec tout ce qui est nécessaire. Comment es-tu sûr de ce soi-disant combat qu'elle amène? Et si cela n'était qu'une excuse pour ne pas épouser Chibioke? Je crois ta sœur. Tu devrais la croire aussi. Franchement, c'est pas ce que tu penses, ok? Je vous aime toutes de façon égale. J'ai compris que tu ne veux pas épouser Chibike. Mais ce n'est pas mauvais de garder de bonnes relations. Vous vous êtes quand même connus il y a très longtemps. S'il te plaît, arrête de le chasser.
Il y a quelque chose que vous tous ne comprenez pas. C'est quoi exactement? Chibuike et moi, nous pouvons pas seulement être des amis. C'est impossible. Nous ne pouvons pas être ensemble comme tes amoureux sans que nos émotions prennent les dessus. Nous sommes amoureux. Des amoureux qui ne pourront pas être de simples amis. Mais vous ne pouvez pas aussi être des ennemis. Arrête de le chasser pour une chose dont il n'est pas fautif. S'il te plaît, considère cette marche que vous avez faite ensemble. C'est pas que je ne me soucie pas. Je l'appelle, mais il ne décroche pas mes appels. Alors, tu peux aller chez eux. Peut-être qu'il est occupé. D'ailleurs, c'est lui qui voulait te voir le premier et toi, tu ne voulais pas de lui. Ne fais pas cette tête. Je ne fais que suivre ma conviction. Tu le fais sans considérer les intérêts des autres. Serais-tu heureux? Tu as vraiment l'air égoïste, hein? Ah, Ada, comment tu vas? Tu es là? Oui, je vais bien. Je suis en train de regarder mes programmes préférés. Et toi, comment? Bien, juste qu'il y a beaucoup de choses qui me préoccupent maintenant. Je te comprends, mais tu dois avoir le temps de te reposer aussi. Hein? C'est important. Je le sais. J'irai m'asseoir derrière, donc s'il y a quelque chose de délicieux à manger, s'il te plaît, apporte-le-moi. Si tu as faim, juste comme tu viens de le dire, sers-toi toi-même, puisque je ne veux pas me lever d'ici. Vraiment que j'aille à la cuisine pour me servir moi-même. Salut Adana. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Adana, je ne suis pas venue chercher le problème avec toi. Je suis venue voir ton frère. Qu'est-ce qui te fait dire que mon frère est prêt à te voir? Je vais juste le voir. Permets-moi de le voir. Peux-tu le faire pour moi? Ou soit fais-le pour ton frère. Je le ferai pour mon frère. Tu connais bien la maison. Il s'est installé aux paillotes qui sont derrière la maison. Tu peux le voir là-bas. Salut! N'es-tu pas la même personne que j'ai payée? Et alors, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi tu te comportes comme un singe? Maintenant, écoute-moi bien. Idi ou quoi que tu te fais appeler? Non! Non! Hein? Princesse! Princesse! Chimere, franchement, c'est pas ce que tu penses. Reviens, princesse. Tu dois te calmer. Ce que tu as vu là-bas n'est pas ce que tu penses. Mais j'ai tout vu. Oh, Chibike, s'il te plaît, je vois que tu ne me connais pas vraiment bien. Je m'en fous complètement de tout ce que tu fais avec ta vie. Excuse-moi. Je sais que tu es venu ici pour une raison. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. Mais tu es occupé. Ne l'es-tu pas? Et je n'ai pas l'intention de devenir une forme de distraction pour toi. Rentre là où tu étais. Elle t'attend. Mon amour, je jure ma vie, elle n'est pas ma petite amie. J'ai juste demandé à ma soeur de me servir quelque chose à manger. J'attendais patiemment la nourriture quand elle entra. Et elle commença à se jeter sur moi. J'essaie juste de l'arrêter quand tu entras. Juste écoute-moi. As-tu fini? Ne me pose pas cette question. J'essaie juste de m'expliquer. Chibike, juste...
S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est comme je l'ai dit tantôt. Tu ne me dois aucune sorte d'explication et moi je ne te dois rien. Je sais ce que je veux. Et je crois que je dois partir d'ici, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses? Hé, frérot, ta nourriture est servie. La même nourriture que tu avais refusé de me servir? Grande sœur Chimere, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as l'air lugubre. Rien, je vais bien. Rien du tout? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que tu es revenu de chez Chibike, tu n'es pas de bonne humeur. Comment le sais-tu? C'est vrai, as-tu oublié que c'est moi qui t'avais demandé d'aller voir Chibike? Alors, depuis que tu es rentré, tu n'es pas de bonne humeur et je l'ai remarqué. Alors, c'est quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'étais allée à la maison de Chibike. J'ai vu Chibike avec une femme en train de s'amuser dans sa maison. Quoi? Ce n'est pas vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je suis sous le choc. Ça, c'est incroyable. Pensant que je vous enviais. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai vu. Pourquoi? Pourquoi? Ça suffit. Tout va très bien se passer. Tout ira bien? Comment? Comment est-ce que tout ira bien pendant que je me sens si insultée? Comment est-ce que Chibike peut-il me faire ça? N'est-ce pas qu'il m'avait promis qu'il serait toujours à mes côtés? Jusqu'à la fin? Je ne prends pas sa part pour ce qu'il a fait. Mais soyons un peu sincères. Tu es ma sœur. Je dois te dire la vérité. C'est toi qui l'as causé. Il était toujours derrière toi. Il faisait tout pour te parler, mais tu ne voulais pas de lui dans ta vie. Peut-être qu'il s'est décidé de tourner la page. Si tel est le cas, alors il a tourné la page si vite. Et surtout, considérons le fait qu'il connaît très bien la raison derrière mes actions. Il aurait dû me donner un peu de temps pour prouver ce que je disais. C'est vrai. Serait timoré, ça suffit. Hein? Tout va très bien se passer. Vas-y, souris, non? La princesse a attrapé mon fils en flagrant délit, embrassant une autre femme dans ma maison. En fait, ils étaient romantiquement engagés avant qu'elle ne fasse éruption sur eux. Tu sais ce que ça veut dire? Très sûr. Cet incident a rendu ton travail facile. Alors je ne veux plus 2 semaines. Chief, vous n'avez pas à craindre. Cette fois-ci, je dois vous informer. Je te donne 1 semaine. 1 semaine. Ne vous inquiétez pas, je le ferai cette fois-ci. Je vous donnerai toutes les informations dont vous aurez besoin. Alors gardez votre calme. Regarde-moi. 1 semaine. Il n'y a pas de problème. Vous me connaissez très bien. Contente de travailler pour vous. Un sac d'argent, Chief. Chief. Un sac d'argent. Ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, je veux vous les donner. Il est temps pour que le monde entier connaisse qui est le vrai Chief Omeka Fulunanya. Tel que les choses se passent maintenant, je ne peux plus continuer comme ça. Je suis sur le point de perdre la tête. Je suis sûr que tu es prête. Je suis prête.
J'ai perdu beaucoup de choses dans cette affaire. J'ai perdu l'amour de ma vie. Je suis sur le point de perdre plus. Je suis prête. Je pense que toi et Tubiké serez ensemble lorsque toutes ces aventures auront fini. J'ai les mêmes sentiments et j'en suis sûre. Pas après l'avoir attrapé avec une autre femme. Es-tu sérieuse? Donc, nous sommes arrivés au point où, avant que tu ne viennes me rendre visite, tu me passes d'abord un coup de fil? Ouais, je savais que tu allais être avec moi, Bouman. Voilà pourquoi j'avais décidé d'attendre. Dieu merci que tu aies tout payé. Qu'est-ce que tu essaies de dire exactement? Ça fait vraiment un long moment que tu côtoies Wabouanem. J'aurais aussi appris que tu as laissé Tchibike pour lui. Je vois. Et tu as un problème avec ça? Oh, attends. Donc tu ne t'inquiètes même pas pour tout ce que je viens de te dire? Oh, je comprends. Donc tu as laissé Tchibike pour Wabouanem? En quoi ça te regarde? Tu as des réactions sans foutistes. Même du fait que Tchibike a une petite amie qu'il veut épouser. Qui t'a raconté ça? C'est quelqu'un que je connais qui voyage très souvent. En effet, j'aurais appris qu'il a déjà présenté cette fille à tout le monde. En tant que sa future épouse. C'est bien. Il voulait se marier. Donc, maintenant, il va se marier. Ah, es-tu en train de me dire que tu es d'accord avec Tchibike? Du fait qu'il veut se marier à quelqu'un d'autre? Parce que je connais très bien combien tu l'aimes. Je veux dire, tu n'as pas à me dire ça parce que je te connais très bien tel que tu es là. Ugoné. Tu deviens quelque chose d'autre. Ça n'a vraiment pas de sens. Pourquoi es-tu venue? Parce que depuis que tu es là, tu n'as rien dit de sensé. J'étais venue te donner des informations sur ce qui se passe ces derniers temps. Ici, au palais, tu n'allais rien savoir. Eh bien, merci pour m'avoir raconté tout ça. Maintenant, y a-t-il quelque chose d'autre de sensé que tu aimerais qu'on partage? Attends-tu aussi le mariage de Tchibike? Tu es très pathétique. Crois-moi, je n'ai rien à faire avec elle, je jure. Elle est la fille que mon père essaie de m'imposer. Elle a été payée pour ça et elle fait de son mieux pour pouvoir me séduire. Je ne l'aime pas. C'est toi que j'aime. S'il te plaît, essaie de comprendre. Y a-t-il quelque chose d'important dans tout ce que tu viens de dire? Pourquoi tu me racontes tout ça? J'étais claire en disant que ce que tu fais de ta vie ne concerne que toi. Es-tu en train de me dire que tu n'es plus concernée? Est-ce que tu es concernée même? Est-ce que tout était une fausseté? Parce qu'il paraît maintenant que ça ne concerne pas seulement mon père. Il y a plus que ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce que c'est à moi que tu viens de dire ça, c'est vrai? Est-ce que tu connais même ton père? Va voir ton père, Tchibike. Et pose-lui des très importantes questions, tu m'entends? C'est très honteux parce que tu vis dans la même maison avec cet homme, mais tu ne connais absolument rien lui concernant. Excuse-moi, qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? J'ai pas compris.
Demande à ton cher père qu'il te parle de son innocence sanitaire. Qu'il te parle clairement de tous ces secrets qu'il n'a jamais voulu que ta mère les apprenne, des secrets que ta sœur ne connaît pas et que toi aussi n'en sais rien. Et reste loin de moi. Et que veux-tu dire par là? Jeune homme, je t'ai donné toutes les informations que tu devais savoir. Au revoir. Mais juste, allô? Mon père? Ouais, je pense que j'ai encore 50 conteneurs de ça dans mon magasin et cette quantité peut servir la région pendant les 3 prochains mois, en fonction de nos permutations commerciales. Je suis certain qu'avant que cette quantité ne soit épuisée, j'en importerai encore. Je suis sûr de ça. Ok, je vous rappellerai. Qu'est-ce que tu es en train de cacher? Quelle est cette chose que tu ne veux jamais que nous sachions à ton sujet? De quoi s'agit-il encore cette fois-ci? Qu'est-ce que tu racontes? Quel est ce secret que tu nous caches? Je veux tout savoir, sinon je ferai descendre le toit de cette maison. Hey, tais-toi là-bas! Tais-toi, idiot! Faire descendre quel toit? Tu vois ta vie? Non, qu'est-ce que tu as encore dit cette fois-ci? Pourquoi tu te fais passer pour mon fils alors que tu n'es qu'un fou? Tu agis en fonction de ce qu'une fille gamine t'a dit? Tu agis en fonction de ça sans aucune vérification? Tu te fais appeler mon fils? Disparais devant moi ici, toi, animal! Tu peux dire quoi que tu veux, mais laisse-moi te dire, tes secrets sont maintenant exposés. Et très bientôt, les ennemis jurés te rattraperont. Je te promets, les ennemis jurés te rattraperont. Homme méchant. Pourquoi aurais-je une femme dans la peau d'un homme comme mon fils? Vous pouvez imaginer? Ah, tout ça est en train de me rendre dingue. Je me demande ce dont il s'agit. Elle a refusé de m'en parler. Elle était évidemment en train de jasser. Je me demande pourquoi tu peux permettre à cette petite fille de te contrôler comme ça. Elle vient te raconter des histoires. Tu te laisses emporter pour commencer à agir je ne sais comment. Mais elle ne peut pas dire quelque chose dont elle n'est pas sûre. Dans ce cas, qu'elle te donne tous les détails. Hein? Elle doit te fournir toutes les évidences, oui. La Chimère que je connais ne peut pas te parler de quelque chose sans pour autant avoir de preuves. Alors si elle n'arrive pas à le dire clairement, c'est parce qu'elle n'est pas sûre. Pourquoi même tu l'appelais? N'est-ce pas que vous n'êtes plus ensemble? Attends une minute. Es-tu en train de confirmer mes soupçons? Qu'est-ce que tu racontes? En voyant la princesse Chimere chez moi l'autre fois, sachant très bien que Idjé était là. Tu m'as fait croire que vous n'étiez plus ensemble, alors que ce n'était que de blabla. Donc Adana, c'était toi qui m'as fait ça. Toi. C'était toi qui m'as trahi. Chibike, je ne t'ai rien fait. On lui a promis d'être payé le double de ce que tu lui as donné. Qu'est-ce que j'ai à faire? Pour cette fois-ci, ce n'est pas moi. Ce n'est pas de ma faute. Je n'avais jamais cru que tu pourrais me faire une pareille chose. Prie fort que la princesse Chimere et moi nous réconcilions. Sinon, tu vois cette maison, tu ne me verras plus. Le père ne me verra plus. Et je suis sérieux. Ogona, je t'ai bien payé pour bien faire ton travail. Je suis même allé jusqu'au point de te donner une aide supplémentaire pour que tu fasses un bon travail. Pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi mon fils continue toujours à se battre avec moi à cause de cette stupide princesse? Que connaît-elle à mon sujet? Écoutez, Chief, honnêtement, je ne sais plus ce que je peux faire. Je fais de tout mon possible qu'elle ne puisse pas accepter votre fils. Et je suis sûre qu'elle ne veut plus de lui. C'est maintenant votre fils qui la suit presque partout, qui la porte même sur la tête. Je ne sais même pas ce que je peux faire. Je te donne jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour faire ton travail. Si à la fin de la semaine prochaine,
tu n'as pas fait ce pour quoi je t'ai payé? Je ne veux rien dire. Hey! Je suis fini. Ougoné, regarde où l'amour d'argent t'a amené, hein? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je m'en sortirai? Je m'en sortirai? Congo le Grand, vous devez analyser cette situation une fois de plus et vous verrez qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas continuer à me dire qu'il n'y a rien qu'on puisse faire et cette fille inutile a décidé de faire tout ce qu'elle peut pour détruire le nom que j'ai passé beaucoup d'années à construire. Il y a quelque chose que vous pouvez faire pour arrêter ça. Et je veux que vous le fassiez urgemment. Je t'ai toujours demandé d'être très prudent. Il y a des gens que tu ne peux pas toucher. Et la princesse est l'une de ceux que tu ne peux toucher. À moins que tu ne veuilles mourir. J'ai pas compris ce que vous dites par mourir. Je ne vous demande pas de la tuer. Je veux juste qu'elle arrête ce qu'elle est en train de faire pour détruire mon nom. Le nom que je me suis fait pendant des années. C'est tout ce que je veux. Je ne veux pas la blesser. Je veux qu'elle arrête de creuser ma tombe devant moi. C'est ce que je veux que vous fassiez pour moi, ma Pongoro. Le Grand. Il n'y a rien que je ne puisse faire pour toi actuellement. Laisse-les tranquilles. Il y a de ceux-là que tu peux tuer et rien ne va t'arriver. Et il y a ceux que tu peux toucher ne serait-ce qu'un petit peu. Et le monde entier s'enflamme complètement. Princesse Yahouzo, quel pouvoir a-t-elle cette princesse? Je ne suis pas venue ici pour me rafraîchir. Dis-moi c'est pourquoi tu m'as appelée, j'ai beaucoup de choses à faire. Ok. Je suis désolée pour ces jours-là. Tu sais que ta sœur est ma meilleure amie. Et je désire le meilleur pour elle. Ogoné, tu n'es pas toujours fatiguée de ces tactiques. Fais-moi gagner de temps, va droit au but. Regarde, j'ai très peur pour ta sœur. Je veux dire, je ne la reconnais plus. L'autre fois, elle avait mentionné quelque chose qu'elle connaît à propos de Chief Omega. Quelque chose qui pouvait le faire tomber. J'avais fait de tout mon mieux pour qu'elle puisse s'ouvrir. Mais elle ne voulait pas me dire. Est-ce que tu peux savoir pourquoi est-ce qu'elle veut faire tomber cette famille? J'essaie de comprendre pourquoi tu m'as appelé ici. Puisque tout ce que tu dis ne m'intéresse pas. Alors, si tu n'as rien de raisonnable à me dire, je dois partir. Écoute, je voulais juste te faire comprendre.
Hé! Ça, ce n'est pas facile comme je l'imaginais. Comment donnerais-je les informations à Chief? Hé! Hey, Ogone! Tu es dans le trouble. Des sérieux troubles. Je nous ai appelés ici afin que nous puissions tous nous exprimer en tant qu'une grande famille. Si vous voyez qu'il y a quelque chose que quelqu'un ne fait pas bien, c'est le moment de le dire. Et s'il y a aussi quelque chose qui ne va pas bien quelque part, c'est aussi le moment d'en parler. Mais tout d'abord, je veux moi-même commencer. Je veux dire que je suis très désolé. Je présente toutes mes excuses pour le malentendu que cette famille est en train d'expérimenter, ça fait longtemps. Je veux être très sincère avec vous toutes. Qu'en tant que mes enfants, je vous aime toutes de façon égale. Et je priorise votre bonheur au-dessus de toute autre chose. Eh ben, oui. Je voulais aussi présenter mes excuses à tout le monde dans cette pièce qui se sont sentis offensés ou blessés par mes réactions récentes. Je ne suis pas une égoïste et je n'ai jamais rêvé de l'être. Tout ce que je fais, c'est pour le bien de l'humanité. J'ai quelques points à soulever. Le premier, je veux que Chimere nous parle de sa relation avec moi, Boumoigné. Qu'elle nous dise aussi pourquoi elle a accepté Chibioke, sachant qu'elle ne va pas l'épouser. Odonaya, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? La ferme! Nous devons tous connaître la vérité. Parce que je ne veux pas que les gens commencent à traiter mes filles comme celles qui rejettent les hommes. Je ne veux pas que les hommes commencent à fuir mes filles. Exactement, maman. Écoutez, je pensais que nous avions surmonté ça. Nous devons avancer en tant que famille. Retournons à la façon dont on vivait avant tout ce drame. C'est ce qui nous a réunis ici. Père, on ne peut pas aller à autre chose. On ne peut pas. Pendant que la chose qui nous divise n'est pas résolue. Exactement. S'il te plaît, tu me réponds à mes questions. Écoute, jeune fille. Ça, c'est ma vie. C'est moi qui choisis si je vais la gâcher ou la faire avancer. Je n'ai pas à répondre à ta question. Et tu n'as pas le droit de me poser des questions sur ma vie. Écoute-moi très bien. Plutôt que tu vas te mêler de ta vie, mieux ce sera. Mon roi, est-ce que tu entends ta fille? Est-ce que tu imagines les genres de paroles qu'elle prononce? Maman, grande sœur Chimere n'a rien dit de mal. Odona doit apprendre à respecter les grandes personnes. Assez, je dis que c'est assez. Si nous ne pouvons pas nous comporter comme des adultes que nous sommes et avancer, alors c'est bon. Quand vous serez fatigué de toutes ces disputes, faites-moi savoir. Maman, ne permets pas à Chimere de nous gâcher la vie. Je veux faire partir de la belle famille des Chiefs. Je veux que notre relation s'affermisse. Et je ne veux pas laisser la princesse Chimere nous gâcher le plan. Ma fille, je suis tellement fatiguée. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais ta sœur est vraiment têtue. Je pense que nous devons donner un cachet à moi, Boumoyo. Comme ça, il pourra laisser la princesse tranquille. Non. On ne peut pas faire ce que tu dis là. Il ne serait même pas d'accord d'accepter quelque chose pour laisser la banque. Parce que la banque est déjà sécurisée. Et il ne va pas facilement lâcher prise.
Maman, tout homme a un prix. Essayons. Ou nous devons peut-être le menacer. Faisons quelque chose à propos. Oui, je suis là. Wow! Qu'ai-je fait pour avoir cet honneur d'être visité par la reine dans ma maison? Soyez la bienvenue. Wow, c'est une belle maison que je... Merci beaucoup, ma reine. Merci, ma reine. Prenez place. Avec plaisir. Je ne suis pas ici pour m'asseoir. Je suis venue te donner un conseil qui sera très bénéfique pour toi. Reste loin de la princesse. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses que tu fais avec la princesse. Mais peu importe ce que c'est, mon cher, ça ne marchera pas. Elle a déjà quelqu'un d'autre et elle ne veut pas de distraction. Ah. Je ne sais pas ce que tu lui avais dit ou de ce que tu l'as nourri. Jusqu'au point de la pousser de rejeter la demande de son fiancé. Mais peu importe ce que c'est, je te rassure, ça ne marchera pas. Avec tout le respect, ma reine, je ne vous permettrai jamais de venir dans ma maison et me parler de cette manière, avec des propos sans respect. Si jamais j'avais besoin d'un petit conseil, je dis un petit conseil, je sais où aller, je serais déjà parti voir ma mère. Alors, s'il me faut qualifier ta visite, elle est très inutile et insolente. Écoute, jeune homme, reste loin de ma fille. Tu n'auras plus cette conversation privée prochainement. Maman? Chimwewe. Oui? Donc tu as demandé à ton petit ami de m'insulter? Comment peux-tu te rabaisser de la sorte? En mettant ces stupides garçons dans ta vie. Ce garçon qui n'a pas de manières. Mon petit ami. Oh mon Dieu. Maman. Maman, ne me dis quand même pas que tu étais allée voir Wabouane. Maman. Oh Seigneur, maman. Mais pourquoi? Maman. Pourquoi as-tu pu faire ça? Ne me fais-tu donc plus confiance? Maman, pourquoi es-tu allée te ridiculiser devant les gens qui te respectent beaucoup? Pourquoi devrais-je te croire? Lorsque toute ta vie est devenue mystérieuse. Je suis devenue mystérieuse? Comment pouvais-je te croire? Lorsque tu ne partages pas de choses avec moi. Je suis ta mère et je dois partager tes problèmes avec moi. Dis-moi, pourquoi as-tu choisi cet idiot? Ce bon à rien, au lieu de choisir Chibike qui provient d'une très bonne famille. Pourquoi? Il est question de famille. Tu veux parler d'une famille très riche? Maman, tu as faux sur toute la ligne. Tu veux savoir pourquoi je ne partage pas les choses avec toi? C'est à cause de ça. Ces genres de comportements, maman. Si tu cherches à connaître quelque chose et qu'on ne te le dit pas, tu viens avec des suppositions et ces suppositions sont toujours biaisées. Et tu commences à parler de cela partout. Tu condamnes les gens sur les histoires que tu ne connais pas et tu cherches à savoir pourquoi je ne me confie pas à toi. Tu veux que j'accepte tout ce que tu dis comme ton père le fait? Tu veux que j'accepte ce garçon que tu appelles Mwabouanem et juste ton ami? Non, tu ne peux pas me mentir. Je ne suis pas une idiote. Je ne veux pas y croire, alors écoute-moi très bien. Reste loin de cet idiot. Je ne vais plus le répéter. M'as-tu entendu? Est-ce que je suis claire? N'importe quoi. C'est vraiment ridicule. Wabouane, comment tu vas? Oui, je veux bien, chérie. Je veux bien. Et toi? J'aurais souhaité dire la même chose. Écoute, j'ai appris que ma mère était venue te voir. Et j'en suis vraiment désolée. Oui, c'est vrai. Ce n'était pas aussi grave que ça. Et je pensais déjà t'appeler pour t'en informer.
Bien, en fait, j'ai parlé avec l'une des filles et elle a promis d'être là demain. Et je me demande si demain, tu peux avoir un peu de temps pour venir à la maison. Bien sûr, pourquoi pas. D'accord alors, dans ce cas, on se voit demain. Prends soin de toi. Attends, si plaisante, n'est-ce pas? Je suis très sérieux. J'en ai fini avec la relation. Quels que soient mes efforts, elle me verra toujours avec les mêmes yeux. Mais elle ne me comprend pas. Je l'aime toujours et je ne peux pas arrêter de l'aimer. Mais ça ne veut pas dire que je vais supplier son amour. Ça, c'est mon frère qui parle. Je crois que papa sera très content de l'entendre. Je veux dire, ne permets plus à une femme de te traiter comme elle l'a fait. Tu es un citoyen spécial du royaume de Umuembe. Tout le monde doit le savoir et te respecter pour ça. Tu le sais, n'est-ce pas? Ah, j'imagine la joie de papa quand il va apprendre cela. Il pourra certainement te faire un présent. Si tu peux arrêter d'inclure le père ici, j'ai rompu cette relation à cause de ma sanité et pas à cause du père. Ce que la princesse Chimérie a dit au sujet du père est vrai. Nous ne devons pas l'ignorer. Et alors? Il est le seul à commettre des crimes dans ce pays. Donc parce que tout le monde commet du crime, alors nous devons aussi nous impliquer. Allons-nous survivre si tout le monde se met à commettre du crime dans ce pays? Décroche, allez, décroche. Allez, décroche. Qui est-ce? Bonjour ma princesse. Bonjour, comment vas-tu? Je vais très bien. C'est comme si vous n'avez pas encore pris bain jusque-là. C'est vrai, j'ai vraiment beaucoup de choses en tête. T'inquiète, je vais me laver et changer cette tenue bientôt. Le roi et la reine veulent vous voir maintenant ma princesse. Waouh. Dites-leur que je les rejoindrai dès que je finirai de m'apprêter. Et demande aux gardes de laver ma voiture parce que je sors bientôt. C'est déjà fait.
C'est comme si tu es fatiguée de ce travail. Chaque matin, tu te réveilles avec de plaintes. Tu es confortable avec ces boulots parce que tu es une femme. Il n'y a aucun homme qui sera confortable avec ces genres de boulots. C'est du n'importe quoi. Et pour que ton salaire est de 4000 nairs à chaque fin du mois, il y a des jeunes garçons comme toi qui ne reçoivent jamais cette somme d'argent. Dans ta tête, 40 000 nairs est suffisant pour répondre à mes besoins, n'est-ce pas? Pour penser à des choses comme... Prendre soin des gens autour de moi avec 40 000 nairs. Si tu peux m'écouter, Ebuka, apprends à économiser. Tu manges gratuitement et tu as où mettre ta tête. Apprends à gérer, tu peux économiser et devenir quelqu'un dans la vie, c'est ça. Laisse-moi te dire une chose. Ce boulot n'est pas favorable pour moi. Et je recherche une opportunité. Une fois que j'essaye de trouver une, je m'en vais. Ebuka. Hein? Tu m'as bien entendu. Bien. La raison pour laquelle je vous ai laissé tous dans le noir, c'est parce que je voulais avoir plus de preuves avant de parler à voix haute de tout ce que je sais. Je sais que maman et Odona pensent que j'ai rejeté Chibuike à cause des Wabwane. Malheureusement, c'est pas vrai. S'il te plaît, peux-tu aller droit au but? Hein? Parle rapidement. Arrête de balbutier. Vas-y directement, je vais t'écouter maintenant. C'est quoi? Biko? Peux-tu, s'il te plaît, la laisser parler? S'il te plaît. Je suis à l'écoute. Merci, papa. Quand je sortais avec Chibuike, un jour, je suis allée lui rendre visite. Bonjour, monsieur. Salut, Chimiri. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien, merci. Je suis sûr que tu es là pour voir Tibuke, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Es-tu le courant que tu es là? Bon, j'ai déjà demandé à l'une de vos servantes d'aller lui dire que je suis là. Ça, c'est bien. Alors, mets-toi à l'aise. Je crois qu'il sera bientôt là. Merci. Tu es très élégante. Merci, monsieur. Hé, hey, bébé. Je m'en vais maintenant. Je ne vais plus attendre pour longtemps. Pourquoi tu es sortie? Viens. Inem, salut. Salut, princesse. Salut. Que fais-tu ici? Écoute, je ne sais pas pourquoi tu es sortie. Tu aurais dû rester à l'intérieur. Je ne veux pas que mon fils vienne te voir ici. Retourne à l'intérieur, je viendrai te donner ce que tu veux. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Je dois partir. J'ai reçu un appel urgent. Écoute. Mon fils n'est censé rien connaître au sujet de ça. Je suis désolé que tu aies vu ça. Mais en tant qu'une grande fille, je veux que tu le gardes secret. N'en parle pas à mon fils. Compris? Merci, grande fille. Il sera bientôt là. Après ces jours-là, j'ai commencé à faire des enquêtes. Et mes enquêtes ont révélé que le défunt père de Wabwane fut le meilleur ami du chief. Quand j'étais tombée sur cette histoire, c'est à ce moment-là que Wabwane m'avait confirmé que chief voulait à tout prix initier son père dans l'occultisme. Et ces sectes avaient fait des propositions à son père, mais ces derniers n'avaient pas accepté. Ils l'ont tué. Je n'ai jamais appris ça. Tu le sais maintenant. Ah, attends. C'est une allégation très lourde. Bien sûr, tu connais les implications si ça s'avérait faux. Comment es-tu sûr de ça? Papa, j'en suis très sûr. Et
Je vais voir même trouver quelques femmes pour témoigner et elles sont prêtes pour le faire. Hey. Ceci est un très grand secret. C'est juste que les gens ont vraiment peur de témoigner au risque d'être tués. Hey! Ça, c'est incroyable. Parle un peu. Tu formes quand que la nanya. Hey! Hey! Cette visite, j'espère que tout va bien. Rien ne va, ma princesse. J'ai échappé au danger. Un grand danger hier. Pour l'instant, je donne ma vie à Dieu. Totalement. Parce que si ce n'était pas pour Dieu, je ne serais pas capable d'arriver là où avait mon ami. Quand j'étais chez Chief, quand il a entendu ça, il m'a dit « Sauve ta vie en quittant vite cette maison. » De quoi es-tu en train de parler? Ma princesse, j'espère que tu n'es pas encore sortie avec Chief. Excuse-moi? C'est quoi ce genre de pensée? J'étais là-bas juste pour voir son fils. Et pas lui. Dis-moi, pourquoi insinues-tu cela? Désolée, madame. Mais écoute, les filles qui font le trottoir témoignent que toute personne qui couche avec Chief devient inutile. Tu n'auras plus rien de sensé. Tu sais pourquoi j'ai fui ces jours-là? C'est parce que je ne voulais plus coucher avec lui et je ne voulais même pas collecter même un franc. Fais attention à chaque fois que tu vas là-bas. Je ne comprends toujours rien. De quoi est-ce que tu parles? Ma princesse, le truc, c'est que quand une fille couche avec Chief, il lui donne beaucoup d'argent. Beaucoup alors. Mais à la fin de la journée, tout cet argent sera inutile puisque tu ne seras pas en mesure de l'utiliser. Et les filles commençaient à se poser des questions, cherchant à avoir des réponses. Ils ont appris que Chief est un occultiste et il détruit l'avenir de toutes ces filles avec qui il couche. Oui. Est-ce que tu réalises au moins la gravité de cette allégation? Ma princesse, je prétends avoir rien dit. Sur base de toutes ces rumeurs, je veux que tu fasses des investigations. Trouve des évidences. Essaye d'interroger les filles, rassemblant les données et nous serons éclairés. Tu vois? Sur quel rendez-vous tu viens de rendre visite, Votre Majesté? Salut. Qu'est-ce que tu viens faire ici? N'es-tu pas fatiguée de tes malices? Pourquoi tu ne veux pas laisser ma famille en paix? Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison, ne le comprends-tu pas? Je suis venue voir Chibuike. J'ai besoin de voir Chibuike. Mais n'a pas besoin de te voir. Ma belle, après aujourd'hui, je ne mettrai plus mes pieds dans cette maison. Ce que je suis venue lui dire est vraiment très important. Si c'est important comme tu le dis, pourquoi tu ne l'appelles pas au téléphone? Ou encore, lui faire un message? Pourquoi tu dois toujours te présenter ici? Cette maison vit maintenant dans la paix. Pourquoi tu ne nous quittes pas pour de bon? J'ai essayé de l'appeler. Mais ne décroche pas mes appels. Mon frère commence maintenant à agir comme le fils de son père. Je vais l'appeler, tout en sachant que tu n'auras plus aucune influence sur lui.
Et qu'est-ce que tu fais de ma maison? Je suis venue voir Chibuike. C'est ça la raison pour laquelle je viens encore dans ta maison. Ta chère maison où je suis forcée de voir ton visage horrible. Je veux que tu n'aies aucune crainte. Donc malgré tout ce que tu as fait, tu as toujours le culot de venir dans ma maison? Tu es malade? C'est comme je le disais. Je suis ici uniquement pour voir ton fils. Et n'essaye même pas une minute d'imaginer que je perds de toi. Parce que tu sais quoi? Je n'ai pas peur de toi. Comment oses-tu? Tu es dans ma maison. Et tu as la témérité de me parler de cette manière? Connais-tu la personne dont tu te tiens devant la face? Sache que je t'y connais à 100%. Je sais qui tu es. Pas seulement que tu es un occultiste. Toi, tu couches avec les femmes et automatiquement, après avoir couché avec elles, elles deviennent inutiles. Hey, et pour ça... Tais-toi! Tais-toi avant que je ne te ferme la sale gueule. Qu'est-ce que je t'ai entendu dire? Ignore-la, d'accord? Ignore-la. Tu m'irais qu'est-ce que je t'ai entendu dire? À propos, j'étais sur le point de partir. Quand tu seras prêt pour parler, appelle-moi. Donc, cette histoire est vraie. Donc, c'est vrai. C'est donc pour de vrai. Quand je l'ai appris pour la première fois, j'ai cru que ce n'était que des rumeurs. C'est donc vrai. Écoute, Adana, tu vois cette chose qui vient juste de quitter ici? Ignore-la. Elle est un ennemi qui a déployé toutes ses forces pour détruire cette famille. Ne te jette pas dans ses bras. Ignore-la. Adana, s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas croire que tu peux faire quelque chose comme ça. Donc nous vivons dans une maison construite avec l'argent de sang. Tu étais au courant de tout ça, mais ta conscience ne t'a rien dit. Ne m'amène pas à te considérer comme une étrangère. Quand j'ai appris toutes ces histoires au sujet de mon père, mon unique père, mon pilier, ça paraissait juste incroyable. Comment tu t'attendais à ce que je le croie? Comment je le croire aux choses que je n'ai pas vues? Tu aurais dû du moins me le dire, parce que tu ferais la même chose si tu étais à ma place. Peut-être que tu allais être en mesure de te retenir, mais pas moi. Et ce que j'ai appris à son sujet, je ne pouvais pas croire cela. Je me disais que ce ne sont que des commérages, des rumeurs. Je ne pouvais pas en revenir. Je me disais que mon père n'est pas comme ça. Alors comment tu peux t'attendre à ce que je te dise des choses que je ne maîtrise pas, auxquelles je ne crois même pas? Comment? Je suis fini. Je suis fini. Je suis fini. Comment est-ce que les gens vont nous regarder? Comment allons-nous vivre avec un tel stigma? Je me demande le nombre de personnes qui en seraient au courant. Tout le monde peut les savoir, mais personne ne dirait un mot. Je me demande comment tu es ignorant de tout cela. Ça, c'est vraiment incroyable.
Je suis impatiente d'attendre la princesse Odonaya de revenir où elle est. Elle doit apprendre cette nouvelle. J'ai envie d'entendre ce qu'elle va dire cette fois-ci. Ah. Ne les condamne pas. Chief, son boulot consistait à faire croire à tout le monde qu'il est sain. Hey. Hein? Alors, à propos de Chibike, quand est-ce que tu vas les lui dire? Il le sait déjà. Hey. Pauvre Chibike, j'ai pitié de lui. Regarde comment est-ce qu'il va hériter quelque chose qu'il ne connaît même pas. Eh ben, c'est ça la vie. Je lui souhaite bonne chance. J'ai vraiment pitié pour lui, hein. Pour le moment, il aura beaucoup à pleurer, hein. C'est Red. Il a une petite amie. Il paye. Plairait sur son épaule. Hey! Lorsque je pense qu'il a fait ce genre de choses, cela me pousse à me demander si l'amour est vrai. Il y a des gens qui prétendent aimer les autres juste d'une façon égoïste. Ha! Juste en un mois, il est parti comme s'il n'y avait rien du tout. Machi, s'il te plaît, pouvons-nous parler d'autre chose? Quel genre d'ami es-tu? Qu'est-ce que tu fais avec les chiefs Omekanya? N'ose pas mentir. Chief Omeka Folonanya. Je n'ai rien avec Chief. Pour ton information, j'avais vu Chief se diriger vers ta maison l'autre jour. J'ai camouflé pour comprendre votre plan. Es-tu prête à me dire ce qui se passe entre toi et lui ou que je dise à ma sœur que tu commences à sortir avec le père de son fiancé? Princesse Odona, je n'ai rien avec Chifo. S'il te plaît, tu n'as même pas raconté quelque chose à ta sœur à propos. Parce que Chief me l'a demandé, mais j'avais dit non. Il était venu me demander si j'avais changé mes pensées. Mais il n'avait pas réussi. C'est tout. Gona, tu es une menteuse pathétique. Sache que mes yeux sont sur toi. Excusez-moi, bonsoir, monsieur. Salut, je suis la pauvre voix. C'est ce rendez-vous, monsieur? Et quand est-ce que ça a commencé? S'il vous plaît, monsieur, je suis juste les instructions. La princesse a ordonné que je prenne un rendez-vous avant de la voir. Je suis juste les instructions. Et s'il vous plaît, monsieur, rendez mon travail facile. Êtes-vous ici sur rendez-vous, monsieur? Non, madame. Mais entre et dis à la princesse que je suis là pour la voir. D'accord. Attendez-moi ici, je vous reviens. Bon après-midi, princesse. Bon après-midi. Chibike est ici pour voir la princesse. J'espère que tu ne lui as pas dit qu'elle est à la maison. Je lui ai dit que je pars d'abord vérifier. Bien. Dis-lui que je viens le voir dans quelques minutes. Vous venez le voir? Mais il est ici pour voir la princesse Chimere. Si je te gifle, je te dis, hein, tes ancêtres vont revenir. Je te dis la vérité. Allez, dégage devant moi. Tu sais que j'ai toujours pris ta part. Tu sais que je n'ai jamais dit quelque chose de mal pour toi. Mais maintenant que les choses sont comme telles, je vais te conseiller de laisser ma sœur tranquille. Et laisse-la faire sa vie. C'est ce qu'elle t'a envoyé me dire?
Laisse ma sœur Chimérée hors de ça. Hein? Elle ne m'a pas envoyée. Je m'inquiète seulement pour ma sœur. Je ne peux pas continuer à te voir jouer avec ma sœur. Peux-tu du moins lui dire que je suis là pour la voir? Oh. Il n'y a pas de problème. Tu as son numéro. Si tu veux vraiment la voir, tu peux l'appeler. C'est un problème. Bye. Je crois avoir entendu des voix. C'est qui? C'est Chibike, mais la princesse Oumati refusait de le faire entrer. Chibike est ici? Pourquoi? Où est-il? Il est dehors. Va dehors et parle à Machi. Dis-lui que j'ai dit de les laisser entrer. D'accord, ma princesse. Udo, reviens. Juste, répare à ton travail. Je vais m'en occuper. Finalement, tu as fait voir ton visage. Est-il arrivé au point où tu as demandé à ta sœur et aux servantes de ne pas me donner accès au palais? De la même façon que tu avais demandé à ta sœur de ne pas me laisser entrer quand j'étais venue chez toi. Et tu ne répondais pas à mes appels. Je n'ai pas demandé à ma sœur de ne pas te laisser entrer. Bien sûr, nous avions eu un malentendu, mais ce n'est pas une raison pour moi de te traiter de la sorte. Tu es venu ici pour me faire la morale ou quoi? Parce que je n'ai pas assez de temps. Ma princesse, nous devons parler. Entre. J'ai appris que tu biquais ici et tu lui as refusé l'accès au palais. J'ai ma propre raison. Et quelles sont ces raisons stupides? Tu vas encore le mettre dans des troubles ou tu cherches comment renouer la relation? Tu ne sais même pas ce qui se passe. Tout ce que tu sais, c'est de notre opinion là où on n'en veut même pas. Et à la fin, c'est la perte. C'est quelle sottise ça. Es-tu au courant que la sœur Chimewe avait attrapé Chibike et embrassé une autre femme? C'est pas vrai. Es-tu aussi au courant que Chief Omeka Afunyaya, le papa de Chibike, est un occultiste? C'est bien que tu l'apprennes. C'était déjà la fin. Madji, tu plaisantes, n'est-ce pas? J'ai tellement ce plaisir d'être celle qui te donne cette information. Alors avant de tourmenter les gens ou de mettre de l'ordre dans leur vie, tu dois savoir pourquoi ils font ce qu'ils font. Excuse-moi. Les chiffres appartiennent à insectes. Je n'arrive pas à croire que tu m'as caché tout ceci. Comment aurais-tu me faire ça? Je t'avais fait confiance. Je t'ai aimé. Je pensais que tu m'aimais aussi. Assieds-toi. Comment est-ce que j'allais lui dire? Attends que j'essaye. Salut Chibike. Ton père est un occultiste. Pas seulement ça, il couche avec les femmes et par après il le rend inutile. De cette façon, Chibike, il n'était pas question que je puisse te parler de ces choses sans pour autant être sûr si cela était vrai ou faux. Quelle excellente excuse. Très brillante. Tu aurais dû moins dire quelque chose.
Penses-tu que c'est cool quand tu vis comme si tout était normal? Les gens t'appelant par des mauvais noms derrière toi à cause de ton père. Ce que tu ne sais même pas. Donc je devais te parler de quelque chose auquel je n'étais pas sûre? Allais-tu me pardonner si je te l'avais dit et qu'en fin de compte, ces allégations étaient fausses? Honnêtement, ce n'est pas cool. Ce n'est pas du tout cool. C'est irraisonnable. Je devais d'abord me rassurer que cela était vrai avant de dire quoi que ce soit. Reviens un peu. Attends. Tu es sûre qu'il n'était pas au courant de tout ceci? C'est très possible. Tu ne peux pas lui croire quand il s'agit de garder un secret. J'ai pitié de la princesse. Pourquoi? Elle n'a rien à faire avec tout ça. Je sais, mais c'est par elle que tout ceci est exposé. Si Chief l'apprenait, ça sera à son désavantage. Chief ne peut rien faire à la princesse. S'il te plaît, oublie ce que tu penses là. Écoute, tu crois que la princesse va accepter d'épouser son fils? Seule la princesse qui a la décision, ok? Si tu le dis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Parce que je ne suis pas prête pour une scène de folie. Donc c'est vrai. Pourquoi tu nous as caché cette vérité depuis tout ce temps? Tu aurais dû nous mettre tous au parfum. Udo, Naya, peux-tu seulement t'excuser au lieu de faire cette innocence? Je ne fais pas l'innocence, je vais juste être éclairée. Nous sommes une famille. Tu aurais dû quand même t'ouvrir à nous. Ah. Maintenant, tu le sais. N'est-ce pas qu'il a toujours été dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or? Udo, Naya, je suis en train d'attendre que tu lui demandes pardon par rapport à tout ce que tu lui avais fait. Elle l'a causé elle-même. Si elle nous avait dit au moins quelque chose, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Relax. Tu insistes sur le fait que celle-là puisse demander pardon? Je m'en fous de ça. Ça me rappelle une chose. Tu dois appeler ton ami et l'avertir au sujet de Chief. Je ne sais pas ce qu'elle a avec Chief, mais j'ai vu Chief se diriger vers sa maison. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Quoi? Es-tu sérieuse? Quand? Comment l'as-tu vu et qu'est-ce que tu étais allée faire dans sa maison? Oui? Mon téléphone. Je dois le récupérer. Dans la chambre. Un instant. J'arrive. Il y a quelque chose qu'elle nous cache. Désolée de t'avoir poussée à épouser Chibike. Ma fille, désolée de t'avoir offensée. Je ne savais pas que son père était un démon. Mais toi, maman. Tu sais, je ne suis pas fâchée contre toi. Je ne le suis pas. Parce que je sais bien que tout ce que tu le faisais tout simplement parce que tu veux mon bonheur. Après tout,
Qui aurait cru que Chief était diabolique à ce point? Alors, comment va Wabuanem? J'espère qu'il se porte bien. Oh oui, il va bien. Il va très bien. Tu sais, il était impliqué dans cette affaire tout simplement parce qu'il cherchait à ce que justice soit faite pour la mort de son père. Si ce n'était pas le cas, il allait abandonner l'affaire depuis très longtemps. Ah, d'accord. Est-ce que vous vous parlez toujours bien? Je veux dire, vous vous parlez toujours bien? Arrête. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Wabuane est seulement un ami et rien d'autre. Oui. Es-tu sûre? Oui, je suis sûre, maman. Je suis très sûre. D'accord, je voulais juste être sûre, c'est ça. Papa, est-ce que tu as pensé des conséquences qu'allaient subir tes enfants dans cette affaire? Ou tu essaies juste d'être égoïste pour ne pas penser à ses implications sur nous? C'est pour ça que tu es ici? C'est pour ça que tu es debout ici? Pour me bloquer, m'empêcher de sortir? Écoute! Tu peux tout faire, mais ne m'insulte jamais de ma maison. Ne le sais pas. Quelle maison? La maison qui est fondée sur la destinée des gens. C'est ce que tu appelles maison? Papa, comment pouvais-tu? Est-ce que tu avais réfléchi des fois avant de t'engager dans cette aventure? Laisse-moi le dire autrement. N'as-tu pas une conscience ou tu as soldé ta conscience au diable? Qu'est-ce que tu connais? Non, réponds-moi, qu'est-ce que tu connais? Si ce n'est pas cet argent que tu continues à taxer d'argent du sang, serais-tu confortable comme tu l'es? Toute ta vie? Regarde-toi, tu es venu dans ce monde et il y a tout à ta disposition. Penses-tu que c'est facile? Mes parents ne m'ont rien donné. Je n'ai rien hérité de mes parents parce qu'ils n'avaient rien. Même à l'école primaire, ils n'ont pas pu m'envoyer. Toute chose que tu vois, que tu continues à appeler argent de sang, c'est ma sueur. Personne ne m'a donné un franc. J'ai commencé à zéro. Combien de fois dois-je te dire ça? Donc tu veux dire que j'étais en train de vivre, me réjouir des destinées des autres personnes? Tu me rends malade. Papa, tu peux gagner la vie tout en restant clean. Je suis dans le choc. Qu'est-ce que tu connais? Regarde-toi. Tu verses des larmes. Quelles larmes insensées verses-tu devant moi? Qu'est-ce que tu connais? Sais-tu combien de fois j'ai été dupé? Sais-tu combien de fois j'ai été volé? Sais-tu combien de fois j'ai été refusé des choses qui devraient me parvenir légitimement? Juste à cause de mon origine. Sais-tu combien de fois j'ai investi dans différentes catégories de ces soi-disant affaires légitimes? Et toutes ces affaires n'ont pas réussi. Dans ta vie, ne te tiens plus jamais devant moi pour me parler d'affaires légitimes parce que j'ai essayé tout ça de par le passé, mais ça n'a pas réussi. Que ça ne le comprends-tu pas? Dernière fois. Tu ne comprends pas? Rien ne peut justifier tes actions, papa. Rien. C'est de la méchanceté. C'est inhumain. Papa, je ne mérite pas la paix. Je ne mérite pas vivre en paix. Dieu te punira. Tu paieras le prix de ton péché. Tu le paieras. Elle a tout. Et elle pense que c'est facile. Et elle me dit que je n'ai pas la paix.
J'ai la paix. J'ai la paix absolue. Un homme qui a son argent peut tout acheter, y compris la paix. Je sais que tu n'aimerais pas me voir. Je sais que tu me hais présentement. C'est pourquoi je suis là. Pour te demander pardon, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée. S'il te plaît, ne me repousse pas. S'il te plaît, j'ai besoin de m'appuyer sur quelqu'un. Je sais que tu ne me les refuseras pas. Ne me repousse pas, s'il te plaît. Oh, c'est bon. Ça va aller. Écoute, j'avais déjà oublié. Je ne suis pas fâchée contre toi. Si quelqu'un ose parler de mon père, de la façon dont j'avais fait au tien, Dieu sait que je ne veux pas supporter cela. C'est bon. Tu as lutté pour une cause juste. Tu es brave. Je n'en pouvais rien. Pourtant, je le connaissais, ça fait un bon bout de temps. Oh. Mais je faisais de mon mieux pour le nier. Je ne voulais pas l'accepter. Ce n'était pas du tout facile. Je pouvais continuer à le nier jusqu'à ce que tu viennes affronter mon père et le lui dire face à face. Allez, c'est bon. Je sais que ce combat revenait à moi. Je devais le défier, mais je suis désolée. Viens t'asseoir. Allez, mets-toi. Mets-toi, s'il te plaît. Du calme, tout ira bien. Je ne pense pas. En route, les gens commenceront à me pointer du doigt. J'ai hâte de partir de ce pays. Tu dois être forte. Merci de m'accepter encore près de toi. Après tout ce que j'ai fait de... C'est rien du tout. Allez. Je vais te demander autre chose au sujet de mon frère. Adana, s'il te plaît, ne gâche pas les moments. Tout ce qui se passait avec EJ était un arrangement. Quoi? Papa avait engagé EJ pour qu'elle vienne mettre fin à votre relation. Malheureusement, il avait réussi. Ne quitte pas mon frère. Il t'aime beaucoup. Il ne saura pas vivre sans toi et tu le sais, s'il te plaît. Mapongo le Grand, avez-vous ce qu'elle avait? Je vous avais dit que cette fille avait un plan pour me faire tomber, pour me détruire, et vous dites que je la laisse tranquille. Regardez ça, elle a finalement créé un scandale. Maintenant, mes enfants ne peuvent plus marcher librement dans la ville parce que des gens leur pointent du doigt, des gens font des commérages. Et moi-même, je ne suis pas exclu. Des gens parlent aussi. Et vous me demandez de croiser les bras sans rien faire à ce sujet? Oh, jamais. Je ne peux pas rester sans rien faire. Quand tu t'étais décidé pour interférer avec une princesse d'un royaume qui est en connexion parfaite avec tous les ancêtres de Omori, à quoi t'attendais-tu? Dans l'occultisme, on manipule le collabo. Pour rester à flot, on n'interfère pas avec les instructions traditionnelles. Mopongo le Grand, je crois que vous avez raté le point. Au fait, vous lui avez tordu le cou. Je n'ai rien à faire avec les institutions traditionnelles établies et profondément enracinées de Omori. Non. Je parle de la gamine. Le rat qui a planifié de me faire fuir la ville. Une ville où j'ai tellement investi. Une ville où je suis connu par tous.
Et vous pensez que je ne dois rien faire à ce sujet? Que je reste croisé les bras? J'ai fait de mon mieux pour te guider. Mais il semble, c'est évident, que tu te diriges vers la mort. Comme une mouche têtue, tu ne veux vraiment pas écouter jusqu'à ce que tu ne meures. Laisse la princesse tranquille. Elle est la princesse de l'ancien Haut-Fort. Et il la surveille de près. Gère le scandale. Et ainsi les choses iront mieux. Que je gère le scandale. Vous êtes assis ici sans savoir ce qui se passe dehors là-bas. Vous me demandez d'aller gérer le scandale. Ce que j'ai compris ici, Mapongo le Grand, est que vous avez décidé de ne pas m'aider. Donc je vais m'aider moi-même. Ne fais absolument rien de stupide. Parce que je ne serai pas là pour toi. Pourquoi tu es debout ici? Maintenant que tout le village te connaît pour qui tu es. Maintenant que nous, tes enfants, ne peuvent pas sortir et marcher librement dans la vie sans être lorgnés et insultés. Des gens qui ne pouvaient même pas nous parler avant. Tu es maintenant content? Écoute, il y a quelque chose que je veux que tu comprennes, garçon. La liberté de parole et la liberté d'expression sont des droits fondamentaux des citoyens, déjà inscrits dans la Constitution. Alors les gens sont libres de dire tout ce qu'ils veulent et ça ne me concerne pas. Mais je veux que tu saches quelque chose. Je suis innocent de toutes ces accusations et bientôt je vais le prouver. Es-tu en train toujours de le nier? J'espère que tu es prêt pour confronter le roi. La question devrait être si le roi est prêt pour me confronter, moi. Tu sais, le coco dit que parce que je ne suis pas certain de ce qui m'attend devant, il vaudrait mieux que je voyage avec ma propre eau. Je veux que tu comprennes que je suis un homme qui a la maîtrise, à la fois en la science et en l'art de faire de l'argent. Je suis un homme qui nage dans l'argent. Pas un homme qui lutte pour la royauté. La royauté n'est pas ma préoccupation. Je veux que tu grandisses. Et si tu dois raisonner, raisonne comme le fils d'un homme riche. Un homme averti en vaut deux. Animal. En quoi exactement ai-je tort? Comment suis-je même arrivé à être un fils de ce diable? Cet homme méchant! Oh mon Dieu, en quoi ai-je tort? Écoute, laisse-moi te dire, si tu continues à sonner comme ça, un jour tu vas me forcer à te faire disparaître. Oui, qui est-ce? J'arrive. Chief. Chief. Je vous salue, non? Bon après-midi. Tu me salues? Oui, monsieur. Pourquoi t'ai-je payé ce montant d'argent et tu ne peux rien faire pour moi? Je t'ai demandé de te renseigner sur toute information que la princesse a sur moi parce que tu es son ami. Mais tu n'as pas pu faire ça. Et tu me salues. Écoute, Ogone, je suis là pour te poser une question très simple.
pourquoi tu es toujours en vie? Hey, Chief, je suis vraiment désolée. Je vais faire de mon mieux de vous... Vous voyez... Mais j'ai quelque chose pour toi. Hey, Chief, ne me tuez pas, je suis désolée. Ne me tuez pas, s'il vous plaît, je vais tout faire. Je veux que tu tues la princesse Chimere. Hey, Chief! Est-ce que je saurais faire ça? Tu me demandes. Écoute, si ta vie est si importante pour toi, alors tu dois trouver un moyen pour exterminer cet ennemi qui est mien. Écoute, si tu considères ta vie importante, compris? Oui, monsieur. C'est vraiment incroyable. Tu veux dire qu'il a essayé de te tuer après lui avoir tenu tête? Oui, c'est vraiment ça. J'allais de prière en prière pour qu'on me parle de mes problèmes, mais personne ne me les disait. C'est ça le problème. C'est vraiment le problème. Tu vois ces gens, ils sont capables de te dire la quantité du sel que tu mets dans ta soupe. Ils peuvent te dire la couleur de tes dessous et même ton numéro de téléphone, quand bien même que vous n'êtes jamais vu. Voilà. Et toi, tu viens exactement du lieu où nous avons été. Alors, les endroits que tu as visités, ils t'ont tous dit que Chief utilise ta chance pour des rituels? La plupart d'entre eux, oui. Ils m'ont même demandé de payer pour la délivrance, mais il n'y avait pas de changement. Tu comprends? Tu écoutes ça maintenant? Ces preuves ne sont pas assez pour lui faire tomber. Oui, je sais, oui, je sais. Je dois juste travailler sur un truc de très sérieux. Mais seulement, laissez-moi un peu de temps. Je vais atteindre la cible. Salut, ma princesse. C'est les jus fabriqués au palais. Vous allez beaucoup aimer. S'il te plaît, dépose et va-t'en d'ici. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu n'as pas le droit de parler aux servants du palais comme ça. Cette jeune fille ne t'a rien fait. Tout ce qu'elle a fait, c'était servir du jus frais. Tu devais quand même être reconnaissante. Je pensais qu'on était des amis. Et quelqu'un t'a dit que c'était le contraire? Bien. Nous sommes deux amis. Mais tu n'as pas voulu me dire tout ce qui concerne Chief. Peux-tu imaginer que les choses que je devrais écouter de toi, je l'entends chez d'autres personnes? Rappelle-toi bien du passé. Moi, à ta place, j'ai couru ici vite te donner les informations dont tu avais besoin. De quoi est-ce que tu parles? Penses-tu que tu es la seule qui sait garder des secrets? Hmm? Je n'ai aucune idée de ce que tu racontes. Tu sais, je me demandais, qu'est-ce que tu as avec le Chief? Quel lien? Parce que tu deviens très curieuse quand il y a un problème qui concerne le Chief. Dis-moi,
Qu'est-ce que c'est? Pourquoi deviens-tu comme ça? S'il te plaît, ne change pas de sujet. Ne le change pas parce que c'est de toi que nous sommes en train de parler ici. Ok. Ogone, comme tu le sais, mes affaires sont mes affaires. Le plus tôt que tu arrêteras de fourrer ton nez dans mes affaires et que tu respecteras le fait que j'ai choisi de garder certaines choses secrètes, sera le mieux pour toi. C'est à moi que tu parles ainsi. Tu es mon ami. Mais la façon dont j'ai choisi de faire les choses n'est pas ton affaire. Et je te suggère très sérieusement que tu arrêtes de fourrer ton nez dans les affaires de gens. Est-ce que j'ai déjà fourré mon nez dans tes affaires? Dis-moi. Bonjour, papa. Bonsoir. C'est toi, s'il te plaît. Princesse, est-ce que tout va bien? Ton visage montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De quoi s'agit-il? J'étais avec l'une des filles avec lequel Chief a couché avec. Et comme résultat, elle est devenue inutile. Papa, si tu avais entendu son histoire, tu allais pleurer. Mais comment est-ce que les gens peuvent être méchants à ce point? Tu sais quoi? J'ai déjà décidé de laisser les lois traditionnelles et enracinées de cette terre de s'occuper de lui. Tôt ou tard, il le verra. Quelque chose me dit que Chief cherche à me faire du mal. Écoute-moi. Aucun mortel ne peut en vouloir à la vie de celui qui est sous la protection de l'ancestral au fort de ce royaume. Tu es une Ada et tu devrais le savoir. Je sais cela. Mais j'ai peur. Tu ne devrais pas l'être. Écoute, je prends déjà contrôle de la situation de mon côté. Et je peux t'assurer que la justice prévaudra très bientôt. Je ne sais pas ce que tu planifies, mais je te fais entièrement confiance. Tu peux me faire confiance. J'aurais voulu que tu le voies de toi-même. Je sais que ça ne serait pas facile pour toi parce que nous sommes en train de parler de ton père. Mais je ne vais pas laisser passer les choses parce que c'est ton père. Maintenant, quand veux-tu que je vienne? Je viens juste de rentrer, mais je peux venir si tu le veux. Non, tu dois te reposer. Demain, ça sera mieux. Alors, où allons-nous nous rencontrer? Tu peux venir au palais ou soit on pourra se rencontrer là où tu voudras. Donc, n'importe où. D'accord, demain alors. Bye-bye. J'ai le plan de quitter ce pays et je quitterai très bientôt. Je suis en train de te le dire afin que tu ne sois pas surprise quand ça arrive. C'est comme ça que notre famille se brise à cause des papas. Avec tout cet argent, les conforts et tout le bien, c'est comme ça que ça finit. Je ne peux pas croire à tout ceci. Je ne pouvais pas croire que je ne pourrais pas passer le reste de ma vie avec Chimere. Je peux t'assurer et te souhaiter que tout ira bien, mais je ne suis pas non plus sûre moi-même. Nous devons juste être forts et faire face à tout ceci.
Anna, quel est ton plan? Je suis triste. Je quitte le pays le plus tôt possible. C'est bon pour toi. Père, je sais que tu fais tout pour qu'ils ne puissent pas se remettre ensemble. Il est temps pour toi d'arrêter. Écoute-moi, Adana. Je fais tout ce qui est de mon mieux pour m'assurer que toi et ton frère ayez une vie meilleure. Ça va dans votre intérêt ce que je fais. Cette princesse, quant à ce que je vois, n'est pas bien pour ton frère. Et je vais faire tout ce qui est possible pour m'assurer qu'il ne se marie pas. Tu n'as pas ces droits, papa. Non. Quoi? Tu n'en as pas. Oui. Et moi, je fais tout de mon possible. Je travaille dur pour qu'ils se remettent ensemble. Et je ne veux pas que tu m'arrêtes puisque je ne te pardonnerai jamais. Hey, Adanaya, écoute-moi. Tu peux décider de faire quoi que ce soit en tant qu'une fille d'un homme qui est en position d'autorité. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais une chose que tu ne dois pas faire, Adana, est de te positionner en obstacle devant moi ou me menacer. Ne le fais pas. Père, je ne suis pas en train de te menacer. Oui. Mais ne viens pas décourager mes efforts de réunir mon frère avec la femme qu'il aime. Père, si tu viens m'en empêcher, tu ne vas pas aimer ce que je veux faire. Tu ne vas pas l'apprécier. Adana, tu vas réagir? Et je n'aimerais pas comment tu réagirais. Adana, je n'ai pas encore le temps pour toi. Je suis ravie et j'apprécie votre courage. La seule chose que je peux vous promettre, c'est la justice. Le conseil des anciens de notre royaume vous aideront à faire la purification. Et d'après ce que mon père m'a dit, la justice sera faite pour vous et aussi à toutes ces femmes auxquelles Chief a aussi gâché leur vie. Merci, ma princesse. Je suis allée dans différents endroits. Mais ils n'ont pas pu m'aider. Je suis prête. Pour la purification qui peut se faire, je suis vraiment prête. S'il vous plaît, cet homme m'a jeté le mauvais sort. Rien ne marche dans ma vie. C'est clair que tout ce que je fais est contrôlé. Par une force. C'est ça. C'est ça la réalité. Absolument tout est contrôlé spirituellement. Mais t'inquiète pas. Au moment où tu seras devant Ofo, tous les démons qu'il a injectés sur toi vont retourner chez lui. Merci, ma princesse. Je suis tellement prête, ma princesse. Je peux emprunter l'argent pour faire le business. Et à la fin du business, je ne trouve rien du tout. Les hommes qui côtoient mes amis, ils leur donnent beaucoup d'argent. Mais n'importe quel homme qui s'approche de moi, même s'ils savent que je n'ai rien dans mon compte, ils ne veulent pas du tout m'aider. T'inquiète. Je ressens ta frustration. Mais t'inquiète pas. Tout cela finit bientôt. Merci ma princesse. Merci beaucoup. Je vais te dire la même chose que j'ai déjà dit à tous ceux que j'ai appelés. Que j'élèverai le enfant de ce royaume contre ton père. Ce sera la seule et la dernière phase de cette situation essayant de défaire ce qu'il a fait. Mon roi, je ne suis pas là seulement à cause de mon amour pour la princesse. Mais aussi à cause de mon amour pour l'humanité. Je ne suis pas comme mon père. Je me lave officiellement les mains de tout ce qui concerne mon père. Bien, c'est gentil de ta part. Et je dois dire que je salue ton courage. Mais je sens aussi que ton père a vraiment besoin de la rédemption. En toute honnêteté, je suis en train de considérer beaucoup d'options. Et je veux te supplier de ne pas encore abandonner ton père. Mon roi, j'ai vu les femmes qu'il a ruinées.
et je me demande ce qui pourrait le pousser à se transformer en un homme si démoniaque. L'ironie de la vie. Des gens font beaucoup de choses pour gagner de l'argent. Et c'est pourquoi dans ce royaume, on ne donne pas la chefferie à cause de l'argent. Mais comme je l'ai dit avant, il y a beaucoup d'options que je suis en train de considérer. Et je vois la lumière au bout du tunnel. Mon roi, vous parlez en tant que roi, monsieur. Mais mon père Romain Kafulonia n'est pas intéressé. Écoute, peu importe, jeune homme. La réalité est qu'il est toujours ton père. Et il mérite ton respect. Bien, je ne vais pas disputer avec le souverain roi d'Umundi. Mais je vois que celui qui pourrait rendre la vie d'un autre être humain misérable juste à cause de l'argent ne mérite aucun respect. Tout ira bien. Chibuké est en train de voyager. Il dit qu'il veut aller vivre loin de tout ce qui était arrivé. Il fait quoi? Je sais qu'il ne t'a pas dit, c'est pourquoi j'étais venue te le dire moi-même. Puisque je sais que c'est quand même important que tu le saches. Waouh! Bonne chance! Tu es sûre que tu les laisserais partir? Si partir lui rendra heureux, alors qu'il parte? Bien, il voit juste parce que la seule femme qu'il a aimée l'a rejetée. C'est pourquoi je suis venue demander à cette femme. Tu ne veux vraiment pas de lui? Tu veux abandonner l'amour de ta vie? À cause des actions indécentes de son père, tout en sachant qu'il t'aime et il ne saura vivre sans toi? Adana! Pouvons-nous parler d'autre chose, s'il te plaît? Bien, je crois que je vais partir. Je suis sûre que tu sais ce que tu veux faire. Mon roi. J'ai peur. J'ai essayé de parler à Chimero, mais elle ne veut pas m'écouter. De quoi as-tu peur? Ah, j'ai fait un mauvais rêve. Cherchons un moyen pour faire sortir Chimero de ce pays. Il y a quelqu'un qui cherche sa mort et je ne veux pas que le mal arrive à ma fille. Écoute. Chimero est une Ada dans le palais de Omori. Elle est déjà protégée par l'ancien enfant de ce royaume. N'importe qui peut essayer, mais je t'assure que rien ne se passera. Votre Majesté, envoyons-la à l'étranger. En attendant que tu finisses avec tes investigations et elle va revenir. S'il te plaît. Écoute, tu sais très bien qu'elle ne va jamais arrêter ce qu'elle est en train de faire pour aucune raison que ce soit. Ouais, tu connais ta fille Chimero. Mais comme je l'ai dit avant, rien ne va lui arriver, ok? Ouais. Votre Majesté, vous savez quoi? Quoi? C'est de toi que ma fille a hérité sa têtutesse. Votre Majesté, je ne peux pas croire ça. Donc des gens vous ont nourri avec ces mensonges dans le compte d'un homme de mon statut et vous les avez cru? Quel tort ai-je fait? Est-ce à dire que tu essaies de nier l'allégation? Votre Majesté, je ne suis pas juste en train de nier l'allégation. L'allégation même est absolument sans fondement. Votre Majesté, mes mains sont très pures. Tout ce que j'ai fait dans ce royaume, c'est aider la nécessité. Répondre aux besoins du royaume à tout moment. Pourquoi quelqu'un voudrait-il salir mon nom? Bien, il n'y a qu'un seul moyen pour résoudre ça et restaurer la paix dans ce royaume.
Et c'est lequel? Que tu vas jurer sur l'ancien enfant de mourir pour prouver ton innocence. Votre Majesté, ne demandez-vous pas l'impossible? Ouais! Car vous savez vous-même que je ne suis pas juste un chief dans ce royaume, je suis un double chief. Et vous le savez vous-même que on ne demande pas un chief de jurer parce que les gens honorent les paroles de sa bouche. Pourquoi me demandez-vous de jurer, Votre Majesté? Pourquoi voulez-vous croire ceux qui cherchent à me détruire? Chifomenka, il est clair que tu n'es même pas prêt pour finir ça une fois pour toutes. Votre Majesté, le point ici est que l'homme qui a fait des sacrifices dans son royaume ne doit pas être humilié. Ce que je vois ici est que vous êtes possiblement en train d'écouter ceux qui veulent me faire tomber et je me demande pourquoi. Mapongo le Grand, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Si je vais jurer sur cet ancien enfant de Omori, je mourrai et vous le savez. Je me demande pourquoi vous me demandez d'aller gérer ça. Je ne sais pas comment le gérer. Ou bien voulez-vous que je meure? J'espère que j'ai été assez clair. Je ne vais en aucun cas être impliqué avec les anciennes autorités. Mais vous êtes ce même prêtre qui sert sur l'autel de Wicca. Vous êtes cette même personne qui contrôle les maîtres des sorciers dans les airs. À maintes reprises, vous l'avez fait devant moi. Vous avez contrôlé des situations à l'extérieur, à partir d'ici. Pourquoi celle-ci est différente? Je veux juste que vous rendiez impuissant cet enfant. Puisque c'est devenu clair que je dois jurer sur ça. Je veux que vous le manipuliez. Afin que si finalement je jure sur ça, il n'y ait pas d'effet. C'est tout ce que je veux. On ne peut manipuler le procès de la justice seulement sous la loi. Une fois que ça tombe entre les mains des vraies autorités, je suggère que tu laisses ça tranquille. Que je laisse tranquille. Le laisser tranquille et perdre la renommée dans le même royaume où je suis considéré être un seigneur. Dans le même royaume où je suis respecté même plus que le roi. Vous voulez que je le laisse et perdre ma renommée? Pourquoi dire une chose pareille? Je ne peux pas faire ça. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Aidez-moi. Quitte cette ville. Va vers un autre royaume. Là où tu vivras en long et en large. Qui sait, jusqu'à ce que tu reviennes comme après 10 ans, le roi pourrait ne plus être en vie. Ceci est la seule manière. Laisse le haut-fort tranquille. Que je quitte cette ville. Exact. La même ville que je vous ai dit que j'en suis pratiquement le propriétaire, que je la quitte. Si c'est, vous savez, ne vous dérangez plus. Restez dans votre coin. Moi-même, je me battrai. Vous tous, tous les seigneurs de tous les sorciers de ces terres, devez m'être témoins que je l'ai prévenu. Si il déclenche un quelconque feu, il éteindra ce feu tout seul. Pourquoi c'est maintenant que tu me dis cela? J'ai mené les investigations, ma princesse. Je voulais me rassurer que Ogone va le faire avant de vous le dire. Et maintenant, tu as la confirmation dont tu avais besoin? Vous avez la protection ici au palais. Elle peut l'essayer si vous êtes hors de ce palais. Voilà pourquoi je vous demande pardon. Envoyez-moi partout où vous voulez partir. S'il vous plaît, ma princesse, ne quittez pas le palais. Je vous en prie. Merci pour l'information. Sache ceci. Le chief Omega Fulmania peut y avoir des garçons, les hommes, ou peu importe, ils ne me feront rien. Je suis Ada Dumweri. Je sors maintenant.
et je reviendrai en vie en une pièce. Une princesse déterminée. Voilà pourquoi je l'aime. Honnêtement, tu m'as donné le choc de ma vie. Tu es la dernière personne que je désirais voir. Alors, j'ai besoin que tu me dises la vérité. Quelle liaison as-tu avec Chief Omega Fulnania? Chief? Je n'ai rien à faire avec Chief. Vas-tu, s'il te plaît, me dire la vérité? Ou soit vas-tu continuer à raconter des mensonges? Je te dis la vérité. Je n'ai rien avec Chief. Qui t'a dit que j'ai une affaire avec Chief? Ok. Je jure sur la tombe de ma mère. Si j'ai une affaire avec Chief, que je ne sois plus en paix. Ogone. Oublies-tu que tu es devant la princesse d'Umweri? Et tu veux toujours continuer à mentir? Pourquoi tu me traites d'une menteuse? Après avoir juré sur la tombe de ma mère, je te dis la vérité. Je n'ai aucune affaire avec Chief. Tu sais pourquoi je suis venue directement chez toi, sans passer par les téléphones? C'est parce que je cherche à t'éprouver que je n'ai pas peur. Très bientôt. Peu importe ce que tu caches, verra le jour. Et quand cela arrivera, notre amitié arrivera à sa fin. Alors tu vas finir par découvrir que je n'ai aucune affaire avec Chief Omega Fulania. C'est probablement lui qui t'appelle. Ah, non. Vas-y, décroche l'appel. Pourquoi cette bâtarde ne prend pas ses appels? Pourquoi? Il y a quelque chose qui cloche. Décroche ton téléphone. Mon problème avec toi est que tu agis sans pour autant réfléchir. Je t'ai dit la vérité. Je l'ai confrontée et elle s'est ouverte. Mais elle ne voulait pas que tu le saches. Mais pourquoi ne m'a-t-elle pas dit? Finalement, j'ai lavé mes mains dans cette histoire. Puisqu'ils sont adultes, ils savent ce qu'ils veulent faire de leur vie. J'ose croire qu'elle n'a pas encore couché avec les chiefs. Oh mon Dieu, tu as soulevé un point très important. Je devais lui demander ça. Tu ne penses pas? T'es sérieuse là, hein? Oui.
Comment est-ce possible de poser à une femme cette question? Pourquoi pas? Écoute, Odona, je ne suis pas juste une princesse comme toi. Je suis la princesse aînée d'Umweri. Et je peux demander à tout le monde, n'importe quoi. Oh, oh, oh. Tu es revenu? Ok. Tu pensais que c'était le chief Omeka Fulayanya qui m'a appelé, hein? Et tu es venu découvrir s'il est ici. Ok, bien, vas-y, entre. Vérifie. Vérifie toi-même. Tu verras que je suis seule ici dans cette maison. Apparemment, c'est comme si vous me surveillez. Pourquoi? Assis. Ok. Je ne suis pas ici pour écouter tes mélodrames. Je suis venue ici pour te poser une question très importante. Une question qui est pour ton propre bien. Et j'aimerais que tu me répondes très sincèrement. Est-ce que tu couches avec lui? Avec qui? De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que tu couches avec les chiefs Omeka Fulunanya? C'est quel genre de question comme ça? Je suis au courant qu'il cherche à sortir avec toi. Mais ma question est la suivante. A-t-il déjà couché avec toi? Oh, ça? Non, il ne l'a pas fait. Ce démon faisait tout pour me convaincre de le faire avec lui. Mais j'ai béni Dieu, puisque je ne l'avais pas fait. Dieu merci. J'étais inquiète quand j'avais appris la nouvelle. Dieu merci, je suis aussi contente que je ne l'avais pas fait avec lui. Parce que j'aurais appris la façon dont il rend les femmes inutiles après avoir couché avec elles. Honnêtement, j'ai béni Dieu de n'avoir pas fait ça. Alors pourquoi tu ne m'avais pas dit quand je t'avais demandé? J'avais honte de te le dire. Tu sais, lorsqu'un vieux papa te demande de telles choses, ce n'est pas quelque chose de bien. Honnêtement. Peu importe mon ami âme, puis-je te donner quelque chose à boire? Bien sûr. Ok. Les jus, ok. Oh, je t'ai apporté ce que tu aimes. Oui. Tu sais bien ce que j'aime parce que tu es mon amie. Merci. Tu dis toujours des très bonnes choses. Portons un toast sur notre amitié. Bien sûr. Reprends le verre. Merci. De rien. Je m'en vais maintenant. Oh. Juste maintenant. On se voit prochainement.
Dieu merci, je ne l'avais pas fait. Comment est-ce que je peux tuer mon ami à cause de Chief Omega Flolania? Que Dieu épargne. Je ne peux pas. Ah. Pour être honnête avec toi, j'étais au courant que le verre des jus que tu m'avais servi hier était empoisonné. Mm-hmm. Oui. Mais toi. Merci. Je le savais, mais je l'avais bu. Tout. Et je l'ai fait uniquement pour t'éprouver. Et aussi, les chiefs qui doivent payer pour ces actes maléfiques. Je suis la princesse d'Oumoueri. Aucun mortel ne peut mettre fin à ma vie. Qu'importe comment il s'y prend. Il m'avait demandé de te tuer. Et que si je ne le fais pas, il me tuerait. Mais honnêtement, je ne voulais pas te tuer. Et je ne voulais pas aussi mourir, s'il te plaît. Je suis désolée. Je suis désolée, s'il te plaît. Élève-toi. S'il te plaît, mets-toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai déjà pardonné. Juste comme ça? Oui. Tu es vraiment une bonne amie. Merci énormément. Mais tu dois rester ici jusqu'à ce que tout ceci prendra fin. Le palais va te protéger. Ah. Merci beaucoup. Merci, ma princesse. Merci énormément. Que Dieu te garde. Ogone, lève-toi s'il te plaît. Merci. Je t'en prie. Mais je ne suis pas venue avec les vêtements si je dois rester ici. Tout ce dont tu as besoin est ici et tu le sais. Oh. Merci beaucoup. Oh, j'ai beaucoup aimé. Okay. Merci, tu es une bonne amie. Je le sais. Papa, Chief Omega Fulnania a payé de l'argent à mon ami Ugone pour qu'elle puisse me tuer. Comment est-ce que tu as appris ça? Elle a confessé. Et maintenant, elle a peur pour sa vie. Parce que Chief lui a dit que si elle ne parvient pas à me tuer, il va la tuer. Chief Omega, qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Absolument rien ne va avec cet homme, papa. Et cela parce que tu lui laisses le temps d'opérer. Tu es le roi de Oumoué. Et dans Oumoué et même au-delà, tes mots sont des lois. Tu ne peux pas continuer à laisser Chief Omega Fulania de régner sur cette terre. Et il pense être un intouchable pour faire ce qu'il veut. Mon seigneur, tu dois faire quelque chose à propos et très vite. Écoute-moi, femme. Je ne suis pas juste n'importe quel roi. Je suis ce roi-là qui sert sur le sacré enfant qui est supérieur aux politiques et vanités de l'être humain. Je t'assure que quelque chose va arriver demain et cet homme dont tu viens de mentionner le nom comprendra qu'ici, dans ce royaume, il y a quelque chose qui est supérieur aux occultes et à tous les maîtres occultes. Et si tu es notre fille avant demain, tu attends la décision des dieux. Pendant que tu es le dieu que notre peuple voit, tu es le dieu de ce royaume que tout le monde respecte. Mon seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose et le plus vite possible. Tu ne peux pas dicter pour le roi. Écoute, je ne suis pas du tout content. Pourquoi perds-tu beaucoup de temps comme ça? Demain est le jour J et je veux que cette chose me soit livrée aujourd'hui. Es-tu sérieux? Alors pourquoi n'es-tu pas encore là? Écoute, mon fils et ma fille ont quitté ma maison et je suis seul maintenant. Donc je veux que tu viennes avec la chose. Je suis dans mon premier salon. Écoute, parce que tu as déjà la chose, considère que c'est fait.
Je t'ai promis 1 million de naira, mais tu vas recevoir une alerte de 2 millions de naira maintenant. Donc viens avec la chose dès que tu as vu l'alerte. Pourquoi se gêne-t-il à cause de l'argent quand il sait que j'en ai assez? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon après-midi, Chief. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Je suis certain que tu as déjà reçu l'alerte. Alors où est l'offre pour lequel j'ai payé? L'ancien offre du royaume de Mori. Je l'ai ici avec moi. Quoi? J'ai finalement obtenu ce que je cherchais. Vouloir, c'est pouvoir. L'ancien enfant de Omori, le sacré Otosir, je t'ai finalement eu. Je vais te mettre au feu et je te regarderai te réduire en cendres. Je verrai comment le roi de Omori me défiera. Les ancêtres des 4 jours de marché de la terre Igbo m'ont finalement vengé. Et peu importe la vitesse à laquelle un homme pense pouvoir courir, il ne peut pas courir plus vite que son ombre. Voici le cadavre du méchant homme que j'appelle mon père. Celui qui t'a fait rejeter m'en demande. Dieu sait que je t'aime comme ma propre vie. Et pour célébrer la victoire du bien sur le mal, vas-tu toujours me dire non? Il n'y aura aucun autre bon moment pour dire oui, comme celle-ci. Je t'aime. Chibuike, je t'aime de tout mon cœur et de toutes mes forces. Et devant tout le monde et les enfants de mon père, je ne dis pas seulement oui, mais je promets de t'aimer jusqu'à l'au-delà. Elle a dit oui. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 90 9 précédé du code
plus 234 si vous êtes à l'extérieur. À Forevo, le guichet unique pour tout divertissement.